Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sous la canopée, ici Monsieur Green. Êtes-vous plutôt high-tech ou low-tech, haute technologie ou basse technologie? Mais tout d'abord, qu'est-ce que la technique? Ce mot issu du grec techné signifie art, compétence ou artisanat, et logos, l'ensemble des savoirs. Il s'agit donc de désigner les connaissances permettant de fabriquer des objets et de modifier le milieu dans le but de répondre aux besoins humains. Retenez bien dans cette définition la modification du milieu pour les besoins humains. La technique mise au point par l'être humain au cours de son évolution lui a permis son développement actuel. Avouez que du silex à Curiosity, le véhicule envoyé sur Mars, la technique a sacrément évolué. La high-tech, ou technologie de pointe, correspond aux technologies les plus avancées à une époque donnée. Les domaines relevant de cette technique sont l'aérospatiale, les biotechnologies, les technologies de l'information, les nanotechnologies et la robotique. Un produit high-tech est donc un produit innovant qui, dans le temps, sera rattrapé par de nouveaux produits encore plus innovants. La high-tech, qui se veut être une science de la complexité, nous a également montré ses limites. Prenons l'exemple de l'agriculture intensive qui nourrit directement la plante avec de l'engrais et la soigne avec des molécules de synthèse. Certes, le rendement est aussitôt accru, cependant cet effet est aussitôt annulé par les pollutions imprévues causées par cette même technologie, appauvrissement des terres, biorésistance de certaines plantes et santé humaine. Du coup, la voiture, les smartphones, le plastique ou encore le Febreze pour désodoriser votre intérieur et toute la high-tech qui pullule aujourd'hui dans chaque mètre carré de nos habitations et en extérieur modifie nos comportements et nos capacités d'adaptation par la dépendance qu'ils créent, mais surtout par la fonction qu'ils occupent et qui nous déchargent généralement d'efforts qui nous paraissent titanesques. Ils altèrent aussi notre santé et notre environnement de manière inédite et parfois irréparable. De plus, la high-tech ne s'adresse dans sa conception et son entretien qu'à un public d'initiés, comme les ingénieurs par exemple. Cette technologie ne peut donc pas sortir du secteur marchand, elle doit être achetée, être entretenue et signifie donc l'achat de consommables, voire de payer pour réparer n'ayant pas les compétences adéquates et avec une obsolescence programmée, imaginez les tonnes de déchets émis et les conséquences régulières sur le budget de nos vies. La démarche high-tech est inscrite dans une recherche du risque dans la création. Loin de s'inspirer de la nature, celle-ci s'en détache. Il s'agit donc d'une course folle qui semble trouver ses limites dans l'exploitation des ressources naturelles. Alors oui, comme tout le monde, j'ai rêvé de cette haute technologie qui nous transformerait en super-humains, facilitant ce qui nous semble pénible et amplifiant nos désirs les plus fous de toute puissance. Mais finalement, qu'a permis ce développement de haute technologie? Oui, certainement des découvertes formidables soignant des millions de personnes, permettant à la population mondiale de croître, améliorant au quotidien le niveau de vie d'un pourcentage peu élevé de l'humanité, toujours en quête de quoi? D'immortalité, de toute puissance éternelle? Finalement, nous en arrivons toujours au vide sidéral lorsqu'il s'agit de définir le pourquoi de notre existence. Alors nous nous gavons de mille et un objets et de mille et un bouts de gras, d'argent pour donner consistance à notre passage sur Terre. Et pourtant, il ne s'agit que du mirage qui nous précipite un peu plus vers ce que nous redoutons. Étrange espèce qu'est l'être humain. Pensez-vous que nous pouvons avoir envie de tout pour chacun d'entre nous sur cette terre? Peut-on démultiplier tous nos désirs à l'infini? Ou doit-on définir nos besoins et surtout éliminer ceux qui sont superficiels pour nous recentrer sur les éléments vitaux comme une bonne alimentation, un logement décent, etc. Ce qui est ici beaucoup plus viable et démultipliable à volonté et de manière locale. J'ai bien peur que face à ce constat, la seconde solution, même si elle n'est pas choisie ou désirée avec conscience, s'impose à nous. Et là, nous entrons dans le domaine de la low-tech ou de la basse technologie.
Alors, qu'est-ce que la low-tech ? Mais contrairement à la high-tech, il s'agit d'une basse technologie qui utilise des techniques simples, pratiques, économiques et populaires. Plus proche de l'artisanat que de la production industrielle, elle a un aspect local. Issues de matériaux recyclés ou directement de la nature, elles sont peu gourmandes en énergie et respectent ainsi l'environnement. Ces techniques simples visent à remettre l'homme au centre des principales préoccupations de par son savoir-faire et son sens pratique. On pourrait l'assimiler au do-it-yourself philosophie qui incite les individus à réaliser leurs propres objets à partir de pièces détachées ou de composants simples. Par exemple, utiliser son vélo pour aller au travail et pouvoir le réparer par soi-même en utilisant des matériaux simples correspond à une philosophie low-tech. Cette philosophie, plus éthique et en accord avec l'environnement, demande également à l'homme une pensée complexe dans la décomposition du vivant pour en extraire les méthodes ou techniques résilientes. Non réservée à une élite, chacun peut s'employer à développer ces techniques. Il est donc peut-être temps de privilégier l'escalier qui sollicite notre cerveau et notre physique, plutôt que l'ascenseur qui nous démunit de toute pensée et de toute possibilité d'action. Nous ne sommes plus au temps de la spécialisation qui nous extrait de tout le reste, mais plutôt au temps d'une transdisciplinarité qui nous permet d'appréhender tous les besoins du quotidien en essayant d'y apporter une solution concrète, simple et écologiste. Si nous replongeons dans l'histoire de l'humanité, nous constatons que l'homme a d'abord utilisé cette technologie en utilisant un bâton, par exemple, qui est un produit biodégradable. Nous sommes dans la low-tech. Oublié par la suite, le concept réapparaît dans les années 70 pour pallier à la high-tech qui utilise les énergies fossiles pour des consommables souvent non réparables, alors que les ressources naturelles s'amenuisent et que l'impact sur l'écologie est de plus en plus décrié. Alors que certains pensent que la robotique et les inventions dans l'avenir pourront nous permettre de croître toujours individuellement, en respectant l'environnement, ce qui est juste insensé, hein. Pour rappel, en 1828, nous étions 737 millions d'individus sur Terre, en 1900, approximativement 1,76 milliard, et au 1er juillet 2017, nous étions 7,55 milliards. Ne s'agit-il pas d'une prolifération ? Eh bien, d'autres pensent que seule la low-tech permettra de se soustraire aux dépendances que nous avons des énergies fossiles qui fondent comme neige au soleil et de se prémunir d'un réchauffement climatique dont personne ne connaît réellement l'envergure et sa rapidité d'évolution. Aujourd'hui, la low-tech revient sur l'avant de la scène comme solution au contexte économique et environnemental. Loin d'un retour en arrière, il est plus qu'essentiel que l'homme se replace dans la limite des ressources et qu'il comprenne les liens existants entre sa consommation et l'énergie sollicitée pour lui offrir et la pollution engendrée. En 2014, Philippe Billou, ingénieur et spécialiste de la finitude des ressources minières, écrit un ouvrage appelé « L'âge des low-tech » vers une civilisation techniquement soutenable où il expose l'éventuelle nécessité du retour à des techniques plus simples et plus sobres énergétiquement pour pallier à l'épuisement des ressources naturelles. Dans le concret, la low-tech, c'est le chauffe-eau solaire, la douche à eau recyclable, le poêle à masse, un mélange de savoir-faire ancestraux et libéré de toute dépendance aux énergies fossiles, mais c'est également les poules qui dévorent nos déchets et nous évitent de les jeter. En plus de cela, la poule nous offre des œufs régulièrement, une base de notre alimentation. Vous pourrez aisément trouver sur Internet des techniques low-tech qui vous permettront de réinvestir votre champ de connaissances, mais également de gagner en autonomie. Pour terminer sur ce sujet, écoutons Henri-Jean Tolone, expert en négociation et conseil en gouvernance d'entreprise, nous parler des métiers de demain. Quel type de métier ? Vers quel type de métier on se dirige, hein ? 60% des métiers qui formeront l'emploi de tous les jours n'existent pas. Aujourd'hui, ils n'existent pas. Donc, je ne sais pas, puisque 60% des métiers qui seront l'emploi de demain dans 20 ans n'existent pas aujourd'hui. Ils n'ont pas de nom. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'ils feront appel aux connaissances qu'on a aujourd'hui. Par contre, je vais dire, le mixage de ces connaissances va donner de nouveaux métiers. C'est-à-dire qu'en fait, on va de moins en moins vers des métiers pointus, curieusement, mais de plus en plus vers des métiers généralistes.
Ça paraît curieux, puisque ça fait maintenant des décennies qu'on forme des spécialistes, des experts. Eh bien, on va s'apercevoir que l'expertise n'a plus les mêmes raisons. Il y aura toujours besoin de quelques experts, bien évidemment. Mais l'emploi de demain sera fait par des gens qui ont différentes cordes à leurs arcs et qui les rendront agiles au bénéfice de leurs entreprises, agiles, elles aussi. Et donc, où est-ce qu'il faut mettre nos enfants demain et dans quelle formation pour qu'après-demain, ils aient un beau métier ? Eh bien, plus ils en sauront sur plein de choses, mieux ils se porteront. Merci. Aussi, pour conclure sur ce sujet, plus nos connaissances seront diverses et variées, plus nous aurons la capacité de créer l'emploi de demain. Cette constatation va de pair avec le contexte actuel qui combine protection de notre environnement et disparition des ressources naturelles. En lecture, je vous propose le numéro hors-série de Social Terre consacré à la low-tech en précommande sur Ulule. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Excellente semaine à tous. C'était Monsieur Green. Fin de la retransmission. Comment c'était ? Oh ! Oh ! Oh ! C'était un pur, absolument délire. J'ai trouvé ça. Quoi ? Green, oui ! Green, comment ? Oh, super green ! Aussi green que ça peut être. Green, la puissance des green, 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 tu vois ? Mais alors, tu vois, green, green, absolument green, green, green.